Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afric Today. We are live every Sunday at 3 p.m. You can watch us live at the same time on four platforms, Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afric Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.africtoday.com. Afric Today, the best of digital TV. In today's world, video is the most effective content. In 2021 alone, 80% of all content consumed by users was video. If today you don't make video about yourself, about your product, you're losing positions in your business. Afric Today Production invites you to create a video of any complexity. Are you an aspiring blogger, artist, musician, and you want to surprise your audience? Or are you an ordinary person and want to create a family story? Then our team will be able to create a video for you with unique quality, reported shooting, individual shooting, studio shooting, entertainment videos, corporate events. All this we can do for you in the best quality. Just call now and get a 30% discount at 571-612-0496. 571-612-0496. Afric Today, the best of digital TV. Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afric Today, je m'appelle Alain Pierre, je suis très heureux de vous retrouver ici actuellement en direct. Et bien sûr, nous sommes en direct sur Afric Today. Et ceux qui ne connaissent pas Afric Today, donc c'est la web TV basée aux États-Unis. Et vous pouvez nous regarder en direct en même temps sur quatre plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africtoday.com. Bien sûr, téléchargez les applications d'Afric Today et vous allez regarder Afric Today directement sur votre smartphone. Alors, je m'appelle Alain Pierre, comme je l'ai dit, et nous allons parler aujourd'hui de la victoire des Lions Indomptables avec l'Éthiopie. Et pour m'aider à parler de cet événement, j'ai actuellement en direct du Maryland, des gens d'une très très grande association qui sont ici aujourd'hui avec moi et qui vont donc parler de moi, de tout cela. Donc j'ai en direct avec moi deux personnes, j'ai Christian et j'ai Arnaud. Salut à vous! On a quelques soucis de connexion. Ouais. Salut à vous. Pouvez-vous encore parler? Salut Alain Pierre. Ok. Merci pour cela. Donc, je disais donc tantôt que vous regardez actuellement Afric Today. Donc, avant de revenir, donc nous allons prendre donc tout simplement une toute petite pause et on revient tout à l'heure. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afric Today. We are live every Sunday at 3 p.m. You can watch us live at the same time on four platforms, Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afric Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.africtoday.com. Afric Today, the best of digital TV. Alors, nous sommes toujours ici sur Afric Today et c'est toujours donc cette édition très, 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 très spéciale ici sur Afric Today. Donc, je m'appelle Alain Pierre. Je disais donc que j'ai actuellement en direct deux personnes qui sont actuellement avec moi en direct. J'ai de l'autre côté du Maryland Arnaud et Christian qui sont déjà là. Alors, je vais commencer. Arnaud, est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement?
remercie Alain Pierre de m'offrir cette opportunité. Moi, c'est Arnaud Timamo. Je suis ici dans le Maryland depuis 11 ans et je travaille en tant que professeur d'université. Arnaud, qui est donc professeur d'université. Alors, Christian, est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui? Oui, bonsoir et merci à Alain Pierre pour cette opportunité qui s'offre à moi de me présenter. Je suis Christian Djonga, je suis au Maryland depuis un peu plus de 7 ans et actuellement je suis manager des ressources humaines. Manager des ressources humaines. Alors, il faut dire, avant qu'on attaque ce qui nous... pourquoi on est ici aujourd'hui, on a dit nous allons parler des Lions des Indomptables. Il faut avouer qu'ils ont gagné aujourd'hui 4-1, ce qui est vraiment fantastique. Alors, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous représentez une organisation. Alors, quelle est l'organisation que vous représentez ce soir? Bon, ben, je vais enchaîner. En fait, nous sommes... tous les deux responsables d'une association qui est composée en grande partie des Camerounais, des immigrés, mais pas seulement des Africains, je ne veux pas dire seulement les Camerounais, on a des Congolais, on a des Béninois, des Togolais, des Guinéens, des Sierra Leonais, on a même des Jamaïcains. C'est une association qui rêve de voir notre communauté grandir, qui rêve d'apporter beaucoup de soutien à chaque nouvel immigré et surtout qui rêve d'optimiser le potentiel de chaque membre de notre communauté afin que chacun puisse réaliser son rêve américain. Merci, merci, merci pour cela. Il faut rappeler que nous sommes là en direct et c'est du direct. Alors, Christian, est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur ça? Oui, justement, l'idée de la création de cette association part d'un constat certain. C'était qu'il y avait un problème d'information, notamment pour ceux qui arrivaient nouvellement. Et c'était différentes informations qui sont certainement nécessaires pour l'intégration et la facilitation de pouvoir trouver un emploi pour ces nouvelles personnes arrivées. Donc, à l'absence de ces informations-là, le constat a été fait et... un ensemble de personnes dont je faisais partie ont pensé nécessaire de s'asseoir pour réfléchir sur cette possibilité de pouvoir donner un peu de facilité ou de facilitation aux personnes qui seraient arrivées dans notre entourage afin de leur permettre d'avoir assez d'informations pour pouvoir choisir leur champ de leur champ de travail, leur champ d'intégration qui faciliterait certainement leur vie aux États-Unis. Donc, partant de là, nous avons pensé utile de créer cette plateforme, cette organisation qui, aujourd'hui, a déjà 7 années d'existence. Et bien entendu que nous sommes partis de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de manquements. Et avec le temps, nous avons trouvé des solutions, nous avons amélioré notre façon de fonctionner. Aujourd'hui, nous avons une plateforme qui compte en plus de 75 personnes et nous sommes fiers déjà de ce que nous sommes devenus à la date d'aujourd'hui. Nous pensons améliorer davantage les moyens par lesquels nous allons passer ces informations-là et nous comptons sur la communauté, et toute la communauté entière, non pas seulement la communauté africaine, mais aussi la communauté étrangère, non-américaine, blanche et consorts. Et nous allons donner plus d'informations, nous allons davantage aider notre communauté à s'intégrer aux États-Unis. C'est une bonne chose pour ce que vous faites pour la communauté. C'est pour cela que nous vous avons invité ici, parce que nous savons que vous êtes une association qui grandit vraiment très, très fort. Et nous allons parler, nous voyons l'affiche là de votre événement qui s'annonce très, 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 très bientôt. Et nous allons parler de tout cela. Essayons de revenir, je vais passer la parole à Arnaud pour qu'il nous dise ce qu'on va d'abord parler du premier match des Lions qui a eu lieu avec le Burkina Faso. Quel était, comment tu as suivi ce match, Arnaud? Merci de me passer la parole une fois de plus. En fait, on est ici, on vit aux États-Unis, mais on est Camerounais, on est né Camerounais et on reste attaché au Cameroun. Et voir le Cameroun jouer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas louper.
J'ai regardé ce match à la maison avec des amis. C'était très, très intéressant. Bien sûr, au début, il y a eu beaucoup de peur. Mais le Cameroun a gagné. Et comme toujours, Vincent Aboubakar s'affirme. Le Cameroun, c'est une grande nation de football. Même quand on doute, on arrive toujours à être surpris. Donc, bien qu'aujourd'hui, on ne voit plus tous ces grands noms, mais je reste confiant du fait qu'à tout moment, le Cameroun peut surprendre. Et ce premier match-là était un test qui s'est confirmé par la suite. Oui, Arnaud, je reste avec toi. Alors, on va essayer de continuer un peu dans le cadre de votre association. Alors, comment on fait pour devenir membre de votre association? Il faut dire que People for Economy and Solidarity, PS, c'est une association ouverte. Donc, nous n'avons pas d'exclusion. Le seul critère qu'on demande pour l'instant, parce que, bon, on veut quand même être avec des gens à qui on fait confiance, c'est qu'on soit recommandé par un autre membre. Et une fois qu'on est recommandé par un membre, on rencontre le conseil d'administration, pas pour une interview en tant que telle, c'est beaucoup plus une séance où on explique aux nouveaux membres ou bien aux membres potentiels qui nous sommes, quelles sont nos règles, quels sont nos rêves et qu'est-ce qu'on attend de chaque membre. Question de s'assurer qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est pour corriger les erreurs du passé qu'on a pris cette option. En fait, c'est une association ouverte à tout le monde. Une association ouverte à tout le monde. Il faudra rappeler que vous avez un événement qui s'annonce bientôt et on en parlera plus largement dans le cadre de cette émission. Alors, Christian, et toi, comment tu as suivi ce premier match du Cameroun-Burkina Faso? Un match, les Lions n'ont pas commencé vraiment très très chaud. Il y a des commentaires qui ont dit que bon, ils ont gagné avec les pénalties. Bon, même avec pénalty, c'est toujours gagné. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas très contents du fait que les Lions ont gagné sur pénalty. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Bon, déjà, c'est toujours avec beaucoup d'émotion, mais surtout beaucoup de confiance que je regarde le match des Camerounais, et ce, depuis mon enfance. J'ai toujours compris que lorsque le Cameroun est mené en premier, soit par un but à zéro, il y a toujours cette possibilité de rebondissement de la situation. C'est toujours ce qu'on dit, le Cameroun est blessé ou le Lion est blessé, et certainement, il va rugir. Et quand il rugit, il y a toujours des conséquences très grave qui s'applique, qui s'impose sur l'adversaire. Donc, au cours de ce match, j'ai fait beaucoup de constats qui ne sont pas les moindres. J'ai vu des Lions assez performants, assez soudés. J'ai vu une équipe assez dynamique et déjà aussi assez jeune, pour ne mentionner que cela. Et il y a eu beaucoup de difficultés. Nous avons peut-être, à un moment donné, sous-estimé le Burkina Faso qui s'est montré très percutant comme équipe jeune aussi. Et il y a ce milieu de terrain du Burkina Faso qui était très percutant et très gênant pour la défense camerounaise. Mais avec la ténacité des défenseurs comme M. Ngandé et ses latéraux comme M. Nou qui ont fait preuve de beaucoup d'intelligence au cours de leur jeu, nous sommes arrivés à un résultat vraiment satisfaisant. Je ne doute pas que l'avenir s'annonce, l'avenir de cette CAN s'annonce très belle, mais nous devons apprendre à accepter le résultat des filets. Donc, quelle que soit la manière par laquelle le but est entré, il faut qu'on accepte que c'est au cours du match que ces buts sont entrés. Donc, que ce soit par pénalty ou que ce soit partie directe d'un des joueurs, je pense que la victoire est celle qu'on doit célébrer et non pas la qualité des buts qui ont été marqués. Parce que tout compte fait, si l'arbitre a accepté que c'est un but régulier, alors il est un but régulier, quelle que soit la manière par laquelle ce but a été marqué.
Merci, merci, merci donc pour cela. Merci pour votre participation à cette édition très, très spéciale d'Afrique Today, où nous parlons bien sûr de la qualification des Lions qui sont déjà en une très, très bonne position dans leur groupe. Il faut avouer qu'ils ont démarré un peu très, très chaud le premier match et là ils ont essayé de battre 4 buts à 1 l'Éthiopie, et c'est de cela que nous allons parler juste après une pause publicitaire. On revient tout à l'heure. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your non-profit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afric Today. We are live every Sunday at 3 p.m. You can watch us live at the same time on 4 platforms, Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afric Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.africtoday.com. Afric Today, the best of digital TV. In today's world, video is the most effective content. In 2021 alone, 80% of all content consumed by users was video. If today you don't make video about yourself, about your product, you're losing positions in your business. Afric Today Production invites you to create a video of any complexity. Are you an aspiring blogger, artist, musician, and you want to surprise your audience? Or are you an ordinary person and want to create a family story? Then our team will be able to create a video for you with unique quality, reported shooting, individual shooting, studio shooting, entertainment videos, corporate events. All this we can do for you in the best quality. Just call now and get a 30% discount at 571-612-0496. 571-612-0496. Afric Today, the best of digital TV. Et alors, retour donc ici sur Afric Today. Je m'appelle Alain Pierre et je suis très heureux de vous retrouver ici sur Afric Today. Pour ceux qui viennent de se connecter, sachez que Afric Today, donc, c'est la web TV qui est ici basée aux États-Unis. Et nous voulons savoir comment les associations de la diaspora des États-Unis pensent de la prestation des Lions indomptables lors de la CAN. Et pour cela, j'ai deux messieurs qui sont en direct avec moi du côté de Maryland et ils représentent ici une association. J'ai actuellement Arnaud et Christian qui sont actuellement avec moi du côté de Maryland. Alors, salut les gars, retour ici sur Afric Today. Donc, on parlait là de votre association, une association qui monte très très fort. En quelle année, qui va me répondre cette question, en quelle année votre association a été créée? Oui, l'association a été créée en 2015. Mais non pas sous son nom actuel, People for Economy and Solidarity. Il a été créé sous le nom One Nation. Nous étions un ensemble d'Africains composé des Camerounais, d'Ivoiriens, des Congolais. Et nous avions pensé qu'il était utile que cette initiative soit prise. Et partant de là, et on a voulu réfléchir ensemble sur un nom qui cadrait effectivement avec les objectifs que nous pensions nous fixer. Et une idée comme ça est venue de l'un des nôtres, et One Nation, parce que nous constituons désormais une seule nation partant de l'Afrique. Mais au fil du temps, comme je l'ai précédemment indiqué, nous avons évolué dans nos systèmes de recrutement ou de cooptation selon l'appréciation que les uns et les autres voudront donner. Et nous sommes dit que il serait nécessaire que nous nous ouvrions à tout le monde pour permettre que ceux qui arrivent ou ceux qui sont déjà sur place puissent avoir assez de ressources, assez d'informations pour pouvoir s'intégrer. Mais d'où viendront ces ressources? Ce sont peut-être des éléments sur lesquels nous allons nous attarder au cours de cet échange. Il faut saluer vraiment que le travail que votre association
Et avant de parler du match Cameroun et Éthiopie, un match que le Cameroun a battu 4 à 1, j'ai une question à vous poser. Vous avez un événement qui s'annonce là ce samedi le 15. Alors, parlez-nous un peu de cet événement. Bon, je vais enchaîner et très certainement, Christian aura l'occasion d'ajouter quelque chose. En fait, pour une fois, on s'est dit qu'on a fait beaucoup de travail en background et on a déjà un nombre important de membres, mais ce serait bien de faire connaître l'association dans la communauté et peut-être d'obtenir encore plus d'adhésion puisque l'union fait la force. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire une fête de début d'année ou de fin d'année qui était ouverte au public. Mais comme tu as dû le constater, Alain Pierre, ce n'est pas une fête pour se faire de l'argent. C'est pour ça qu'on a mis un prix raisonnable. Et un prix raisonnable de 25 $ où ceux qui viennent à la fête ont de quoi manger et ont aussi de quoi aussi à boire. Juste, bon, si les gens veulent boire du champagne et autres, là, ils paieront pour ça. Là aussi, le prix est très raisonnable. Donc, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour être présent et c'est pour parler de nous et pour faire comprendre aux gens que il y a des ressources que nous, en tant qu'association, mettons à la disposition de la communauté et on espère vraiment que les gens en tireront profit. Parce que notre action ne s'arrête pas. On ne veut pas que notre action s'arrête juste au niveau du groupe. On veut que... nous voulons engager des actions communautaires. Mais bien évidemment, pour que les gens nous ouvrent leurs portes, il faut qu'ils nous connaissent. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire cet événement qui vraiment nous tient à cœur, qui sera ce samedi, dès 20h, à Africa Cabana, à Laurel. Et vraiment, on compte y voir le plus de gens possible. Et ce sera une joie pour nous d'accueillir la communauté et puis de parler de notre groupe et puis de donner la parole à certains leaders de notre communauté qui partageront leur expérience. Et bref. On veut se faire connaître dans la communauté. Alors, un événement qui aura lieu ce samedi à partir de 20h à Africa Cabana, c'est Launch Center, c'est dans le Maryland. L'adresse est 13501 Baltimore Avenue, Laurel, Maryland. Un événement qui sera riche en couleurs. Alors, Christian, qu'est-ce qui nous attend dans cet événement avant de parler du match Cameroun-Éthiopie? Oui, déjà, il faut relever qu'il y a eu des raisons pour lesquelles nous avons organisé cette cérémonie qui, pour nous, est très, très importante. Nous partons sur trois causes majeures. Déjà, nous voulons indiquer, sans toutefois nous tromper, que il y a une crise là d'ailleurs qui sévit très grave, c'est la crise du coronavirus. Et nous sommes partis de 2019 jusqu'en 2022. Nous n'avons enregistré aucun décès dans notre communauté. Et donc, nous avons pensé utile de moins dire merci au Seigneur pour cette espérance qu'il nous a accordée. Et la deuxième cause, c'est que nous sommes, durant toute cette pandémie, nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir des séances physiques, nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir. Nos réunions se sont généralement passées sur les plateformes Zoom et nous avons pensé utile qu'après ce long moment, nous pouvons nous rencontrer. Pour cette occasion, nous avons pensé que les adhérents pourraient venir à cette rencontre pour se connaître, parce qu'il y en a qui ne se connaissent pas physiquement, qui ne se voient qu'au cours des différentes réunions organisées sur les Zoom. Et le troisième motif, c'est aussi que nous entrons nouvellement dans une nouvelle année, celle de 2022, et au moins dans le rite du remerciement, peut-être très haut, ou bien à autre Dieu que les uns et les autres louraient, nous avons pensé utile de nous rencontrer pour célébrer ensemble ce don de vie que Dieu nous accorde tous les jours.
Donc voilà les trois principaux éléments qui nous ont motivés à organiser cette cérémonie. Et maintenant, ce qui nous attend, c'est que déjà les couleurs de cette soirée sont bel et bien choisies. Il s'agit du blanc et de l'or, et de la couleur or. Donc, ces différentes couleurs n'ont pas été choisies de manière hasardeuse. C'est juste que nous voulons donner une certaine valeur à notre communauté en invitant les uns et les autres à vouloir participer à cette joie que nous voulons organiser. Bien sûr, nous avons pensé faire de cette cérémonie une cérémonie gratuite à la seule et unique condition que chaque participant paye sa place, parce que nous offrons l'espace, nous offrons le divertissement, nous offrons à manger et à boire, et chacun des participants à cette cérémonie ne devra débourser qu'une modique somme de $25 pour avoir au moins une place. C'est tout ce à quoi nous avons pensé. Nous n'avons pas voulu monnayer ou économiser cette cérémonie. Ça n'entre pas dans nos objectifs. Attendez, je vais vous stopper là. Donc, vous voulez me dire que l'entrée, c'est $25? C'est exact. Il n'y a pas de VIP? Non, pour le moment, il n'y a pas de VIP. Nous n'y avons pas pensé parce que nous disons que nous sommes tous égaux. OK. Il n'y a pas plus membre. Il n'y a pas de membre plus supérieur à un autre, non. Nous sommes tous égaux, nous devons nous asseoir tous à la même table, nous devons discuter, nous devons partager et nous devons nous amuser comme les hommes et non pas comme des personnes de rang social différent. Nous ne sommes pas dans cette distinction-là, ça n'entre pas déjà dans nos objectifs. Et donc, nous ne pensons pas faire de VIP ou de non-VIP. Tout le monde sera assis et nous allons organiser la cérémonie dans la manière qui conviendra certainement à tout le monde. Merci Christian de cette dit. Vous savez, il y a ce très grand événement qu'organise cette association. Ça aura lieu donc le 15, ce sera ce samedi à Africa Cabana, c'est dans le Maryland. Donc si vous voulez participer à cette très très grande fête qu'organise cette organisation, il vous suffit tout simplement de déverser une maudite somme de $25. Il n'y aura pas de VIP. Tout le monde est VIP, seulement avec $25. Alors, nous sommes toujours donc ici sur Afrique Today, dans cette édition très très spéciale où nous parlons donc de la prestation des lions et nous recevons donc cette très très grande association qui fait beaucoup de choses dans le Maryland et qui organise donc ce très grand événement ce samedi 15 janvier 2022 à Africa Cabana Launch Center. Alors, nous allons donc parler tout de suite des lions désontables parce que nous savons que les lions ont presté très très bien. Et comme je vous disais, j'ai actuellement en direct pour m'aider à commenter la prestation des lions. J'ai actuellement Arnaud qui est avec moi, Christian qui est avec moi. Et nous avons déjà essayé de parler de la première prestation des lions. Mais là, nous allons essayer de parler de la deuxième prestation des lions qui a été aussi une prestation hyper magnifique, Arnaud. Je dois dire que Pierre est à l'image des lions, c'est-à-dire que l'amour du travail bien fait, l'amour de la patrie. Et ce que les lions font aujourd'hui, vraiment, c'est merveilleux. J'ai eu beaucoup de frayeur à la quatrième minute quand les Éthiopiens ont marqué le but. Je me suis bien demandé à quelle sauce on allait être cuit, mais bon, c'était sans ignorer l'ardeur de nos valeureux lions indomptables. Et tout à l'heure, je disais que Vincent Aboubakar déçoit rarement. Cette fois-ci, il a encore montré que le Cameroun pouvait compter sur lui. Et je suis vraiment très content pour Vincent Aboubakar parce que il vient de passer en tête des buteurs avec 4 buts. Espérons que ça continuera ainsi. Mais on ne peut pas aussi ignorer les performances de l'ensemble de l'équipe de Toko qui a marqué l'autre but. Et qui a marqué les 2 autres buts, en plus des 2 que Aboubakar a marqué. Vraiment, moi, j'ai adoré ce match. J'ai adoré la collaboration entre les Lions et Donta. C'est un peu comme ça aussi que nous voyons le fonctionnement de notre communauté.
on prend le ballon, on donne à l'autre. Celui qui marque, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte à la fin, c'est ce que toute l'équipe produit. Et merci à nos valeureux Lions des Indomptables. Merci de nous apporter cette joie-là. Et on souhaite de tout cœur qu'à la fin de ce tournoi, que ce trophée reste au Cameroun. Oui, Arnaud, avant de donner la parole à Christian, et tu as touché un point là vraiment qui est vraiment impressionnant. Et lorsque notre entreprise, mon entreprise Afrique Today, a commencé à travailler avec vous, nous avons constaté un peu un aspect original de votre association qui est un peu différente des autres associations. Comme tu viens de parler, de passer la balle et tout cela, nous avons remarqué que vous travaillez différemment et vous essayez d'aider tout le monde. Alors, ce qui est très rare dans notre communauté, souvent on essaye de piétiner les autres. Bon, même si vous êtes fort, on essaye toujours de vous piétiner. Alors, pourquoi cette approche? En fait, je pense qu'une des choses qui ne nous a pas rendu la vie facile, c'est un peu le négativisme dans notre communauté. Ça veut dire que c'est rare de rencontrer un Camerounais ou s'arrêter au Camerounais. Je ne veux pas parler de toutes les communautés qui parlent bien de l'autre. Bref, on est dans une communauté où tout le monde se plaint, mais à la fin, personne ne s'arrête une seconde pour voir quel est notre potentiel et comment est-ce qu'on peut l'optimiser. Donc, comme je le disais encore, je le dis presque tous les jours hein, aux gens que je rencontre, je ne me plains plus. Ça veut dire que quand quelqu'un commence à me dire que les Camerounais ont fait ceci, les Camerounais ont fait cela, je l'écoute. Et à la fin, je lui dis que, bon, par rapport à ce que tu viens de dire, voilà là où nous sommes. C'est-à-dire que nous avons décidé de sortir de l'étape des plaintes pour rentrer à l'étape des solutions. Et pour y arriver, on a travaillé beaucoup. On a eu des moments difficiles, mais je pense qu'on a atteint un bon niveau de maturité où nous avons identifié les problèmes de la communauté. Depuis les problèmes de santé, les problèmes de logement, les problèmes d'intégration dans le monde des affaires. Et c'est ça que nous travaillons pour créer un socle qui permettra à chacun d'atteindre le maximum de son potentiel. Et je reviens dans l'esprit des Lions Indomptables. C'est chacun qui doit penser à servir la communauté. Tu tiens le ballon, tu passes à ton frère et il passe à l'autre et on marque. Et à la fin, c'est toute la communauté qui gagne. C'est toute la communauté qui gagne. Merci, merci Arnaud pour cela. Je rappelle à ceux qui viennent de se connecter que c'est toujours Afrique Today et je m'appelle Alain Pierre. Nous sommes actuellement en direct. Alors, je vais m'annoncer à tous ceux qui nous regardent actuellement. Vous pouvez aussi participer à nos émissions en direct sur Afrique Today. Si vous avez quelque chose à dire sur les Lions Indomptables, sur les prochains matchs à venir des Lions Indomptables, sachez que Afrique Today a une nouvelle émission qui s'appelle Sacré Cannes. Vous pouvez participer, appelez-nous. Nous allons vous recevoir sur les plateaux d'Afrique Today où nous allons discuter de la prestation des Lions comme nous sommes en train de faire avec cette association avec qui je parle actuellement, une association qui grandit et qui est née depuis 2015 et qui est un événement qui aura lieu le 15. Alors, je donne la parole à Christian qui sourit là. Alors, Christian, comment toi tu as trouvé la prestation des Lions avec l'Éthiopie? Une prestation vraiment formidable, avec plein d'émotions et avec plein de confiance aussi. Mais au début de du match, nous avions eu comme l'impression que l'adversaire était encore sous-estimé. C'est comme si c'était une habitude des Lions. Ils sous-estiment un tout petit peu l'adversaire au début et ils font quelques petites erreurs. Et lorsqu'ils encaissent un premier but, c'est peut-être à ce moment qu'ils pensent réagir. Mais comme j'ai l'habitude de dire, le Lion a été blessé et le Lion a réagi promptement. Donc nous sommes revenus à cette deuxième mi-temps avec beaucoup de stratégie, beaucoup de force, beaucoup d'engouement. Nous avions l'objectif à ce moment de nous qualifier immédiatement pour le prochain tour. Et c'est ce qui a été fait avec trois buts marqués à la deuxième mi-temps. C'était formidable et nous avons vu la performance rappelée et renouvelée de notre capitaine Vincent Aboubakar, qui fait preuve au cours de cette CAN de beaucoup de performances. Je pense que nous voyons un Aboubakar désormais déterminé à atteindre les sommets, à nous donner, je vois, une sixième, voire même une septième Coupe d'Afrique des Nations. Et aussi avec lui, une équipe assez soudée, assez dynamique, assez performante.
et assez jeune, sur qui vraiment nous pouvons largement compter pour la suite de cette CAN. Bientôt, nous allons terminer notre mission, mais nous sommes encore là en direct. Alors, vous, les gens peuvent participer sur Facebook. Si vous nous regardez sur Facebook, écrivez-nous. Si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez aussi nous écrire et on va peut-être poser vos questions à nos invités de ce soir. Si vous nous regardez aussi sur Twitter, vous pouvez nous tweeter et on va vous écrire, on va poser nos questions à nos invités aujourd'hui. Alors, avant qu'on termine cette émission, parlons encore de cet événement. Il y a des gens qui n'arrivent pas jusqu'aujourd'hui, Arnaud, à prononcer le nom de votre association. Est-ce que tu peux encore nous dire quel est le nom de votre association? Oui, oh, bien sûr. Ah, c'est Arnaud, hein? Arnaud, oui, Arnaud. Bien sûr. P-E-S. P-E-S. P for people. E for economy. And S for solidarity. Comme son nom l'indique, PIS est centré autour de la solidarité et du développement économique. Donc c'est ça nos grands axes. Et bon, nous sommes conscients du fait que une solidarité avec les poches vides, c'est pas vraiment possible. Parce que toute bonne charité commence par soi-même. Et si on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas sortir pour parler de solidarité. C'est la raison pour laquelle la promotion du développement économique est un axe essentiel de notre travail. Et je ne sais pas si on a eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur notre logo, mais le logo, lui, il indique trois personnes qui alignées et chacun pousse l'autre. Et au sommet, il y a une étoile. Donc, en fait, c'est une communauté d'individus qui se propulse mutuellement vers le succès. C'est ça, PIS. Je ne sais pas si Christian veut ajouter quelque chose. Mais Alain Pierre, je te renvoie la parole. Oui, oui, je vais passer la parole à Christian. Christian, écoute, l'association est là pour propulser les trucs. Vous propulsez et nous avons vu la façon dont vous avez travaillé avec Afrique Today, en propulsant aussi Afrique Today, malgré que vous êtes venu là pour vous exprimer, pour parler des lions et pour parler aussi de votre événement qui aura lieu ce samedi. Donc, à propos de cet événement de samedi, avant qu'on continue avec la prestation des lions, Christian, est-ce que vous allez donner la possibilité à tous ceux qui, bon, à tous les business qui auront payé leurs $25 de venir s'exprimer au podium, ou alors comment cela va se dérouler? Déjà, nous entendons donner un 4-0 au cours de cette soirée. Donc 4-0 pour propulser, n'est-ce pas, nos invités et nos membres à devoir se déployer dans le marketing de leur compagnie ou de leur business. Donc, c'est déjà, ça entre en droite ligne avec nos objectifs, à savoir que nous propulsons, nous promotons les entrepreneurs qui non seulement sont au sein de notre groupe, mais aussi ceux qui s'invitent à nos différentes cérémonies. Mais il faut déjà rappeler que nous avons parlé de donner, de fournir des ressources et des informations aux personnes qui arrivent au gouvernement. Et en même temps, donc, nous sommes un peu comme une plateforme qui fait de la facilitation à l'émergence économique ou financière de nos différents membres. Et dans ce cas précis de développement économique, nous accompagnons tous nos jeunes frères de la communauté à pouvoir créer leur part de business, surtout pour ceux qui pensent qu'il n'est pas toujours aisé de devoir travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, nous faisons de la formation, nous accompagnons même financièrement, c'est-à-dire nous participons à cette possibilité de pouvoir créer un business et en même temps, nous accompagnons par des conseils et ces différents éléments que je viens de mentionner, viennent des différents membres. Je commence à être intéressé, monsieur Victor. Comment accompagner une plateforme digitale de Web TV comme Afrique Today? Moi, je commence à être intéressé. Comment vous pouvez le faire?
Bon, déjà, nous pouvons entrer dans votre plateforme, commencer à relever des éléments qui manquent. Okay. Et faire une analyse générale de votre business. Et au regard des différents manquements que nous aurons constatés, nous allons faire donc une sorte de conseil qui nous permettront déjà d'avoir vos objectifs, les objectifs que vous voulez atteindre pour votre plateforme. Et en fonction des objectifs, nous allons vous donner des conseils sur les modalités pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et si même vous avez besoin d'une assistance financière pour l'achat peut-être des nouveaux matériaux, pour le marketing, nous avons assez de moyens, nous avons des groupes, nous avons des personnes ressources que nous pouvons utiliser pour partager. Et l'assistance matérielle, financière, pour ceux qui nous regardent actuellement, c'est un crédit ou alors comment ça se passe? PS n'a pas voulu réinventer la roue et on a essayé de penser aux choses que des gens avant nous, nos parents, ont fait. Et on a repris le concept de Njangi. Le Njangi, mais nous n'avons pas voulu rester dans le même chemin. Nous avons réorganisé notre Njangi pour intégrer le plus de gens possible. Et ce que nous avons fait, par exemple, c'est qu'on a une tontine où il y a des gens qui cotisent à 100 $ mais aussi tous les deux semaines, mais aussi des gens qui cotisent à 6 000 $ tous les deux semaines. Vous comprenez donc qu'il y a le simple ouvrier ou l'employé comme moi, mais il y a aussi des hommes d'affaires là-dedans. Et notre tontine met sur la table tous les deux semaines 51 000, du moins la session qui est en train de se terminer, 51 300 $. Ça offre une plateforme pour un potentiel investisseur ou bien de potentiels investisseurs pour se mettre ensemble et faire quelque chose de plus grand. C'est-à-dire, au lieu d'aller à la banque, vous êtes à la tontine, vous prenez une tontine de 52 000 $, vous faites un projet que vous remboursez progressivement sur 26 sessions de deux semaines. Je pense que pour un projet qui existe déjà et qui a juste besoin d'être boosté, c'est très utile. Et beaucoup de nos membres l'ont utilisé pour renforcer leur projet. Beaucoup l'ont utilisé comme apport de fonds propres pour acheter leur maison, y compris moi-même qui vous parle. Et la tontine, c'est combien? Et justement, ce que je vous disais, notre tontine est très originale. On a exactement 26 tours. Mais vous cotisez ce que vous décidez. Ça a cet avantage de réduire le risque des membres d'être déficitaire, tout simplement parce que vous décidez en fonction de vos revenus. Il y a des gens qui cotisent 100 $, il y a des gens qui cotisent 500 $, et il y a des gens qui cotisent 2 000 $. La seule chose, c'est que vous bouffez exactement 26 tours, et vous bouffez 26 fois ce que vous aurez cotisé. Et nous, donc, on fait une loterie qui permet aux membres d'avoir la priorité dans les choix du moment où ils veulent bénéficier de leur tontine. Et on programme donc les membres en fonction de la disponibilité de cash. Et jusqu'à présent, ça a vraiment marché. Donc, ce n'est pas vraiment 52 000 $. Donc, si vous cotisez 50 $, on ne va jamais vous donner 52 000 $. Donc, mais que je précise très bien, on cotise 52 000 $ tous les deux semaines. Mais si quelqu'un cotise 2 000 $ tous les deux semaines, il aura tous les 52 000 $. Mais pour ne pas exclure les autres, parfois on peut avoir 4 personnes qui cotisent chacun 500 $. Et on va donc diviser les 52 000 par 4 pour ces personnes. Je ne sais pas si on comprend un peu, c'est ça le chemin. Et comme ça, celui qui cotise 500 $ trouve sa place, celui qui cotise 300 $ trouve sa place. Et vraiment, on le fait depuis 3 ans et ça marche très bien. Du moins, la tontine sous cette forme et ça marche très bien. Donc, et comment vous aider alors? Donc, pour aider une entreprise, il faut déjà que l'entreprise soit membre. Bien sûr, il faut que l'entreprise soit membre parce que c'est une question d'argent et c'est de l'argent sans intérêt. Mais l'entrepreneur peut devenir membre pour pouvoir bénéficier de la tontine et aider son entreprise. Ce que les gens le font, y compris ma tendre épouse qui est à la maison, qui a ouvert son salon de coiffure grâce à son agent de tontine. Et je peux citer beaucoup d'autres personnes. Mais je peux déjà vous dire que au moins 15 membres de PS ont pu acheter leur maison
en utilisant les revenus de la cantine comme apport personnel pour l'achat de la maison. Wow, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment très très formidable pour tout ce que vous faites pour la communauté. Et on en parlera toujours dans le cadre de ces émissions ici donc sur Afrique Today. Alors, je reviens donc à tous ceux qui sont connectés actuellement sur Afrique Today. C'est donc toujours Afrique Today, cette édition très très spéciale ici. Nous sommes en direct et nous courons déjà vers la fin de cette émission. Et nous parlons ici du match de Lyon. Mais nous avons cette chance d'avoir cette très grande organisation. Ah, je vais revenir, ils vont encore nous répéter le nom tout à l'heure. Qui fait des bonnes choses, vous pouvez toucher une tontine de 52 000 dollars. C'est ce qu'il vient de nous dire là tout à l'heure. C'est vraiment, ils aident les entrepreneurs, ils investissent dans les entreprises. Et donc, ils sont ici avec nous parce qu'ils ont un événement. Non seulement nous discutons de la prestation des Lions qui ont brillé ces derniers temps et qui sont déjà qualifiés pour le deuxième tour. Alors, mais aussi nous parlons de leur événement qui aura lieu ce samedi 15 à Africa Cabana Center dans le Maryland. Donc, ce sera ce samedi 15 janvier à partir de 20h. Afrique Today sera sur les lieux. Nous serons sur les plats pour couvrir l'événement. Mais beaucoup de gens aussi demandent souvent, qu'est-ce qu'Afrique Today fait? Afrique Today, c'est une plateforme digitale et nous faisons tout ce qui est dans le digital, ce qui concerne la conception des sites internet, des vidéos pour des entreprises et tout ce que vous avez besoin dans le milieu digital. C'est ça, Afrique Today. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui en direct avec cette très, très grande entreprise. Et j'ai actuellement avec moi du côté de Maryland, Arnaud, qui a vraiment expliqué comment cette tontine de 52 000 fonctionne et qui n'est pas très souvent pour ceux qui nous regardent actuellement. 52 000, ça ne se ramasse pas dehors. Alors, j'ai aussi Christian qui nous a beaucoup parlé de l'évolution des Lions et notamment. Nous avons essayé de continuer dans ce sens-là avant de parler, de terminer encore avec votre événement de ce samedi. Alors, Christian, les Lions ont marqué 4 buts à 1. Comment tu trouves que le prochain match sera peut-être l'entraîneur va décider de prendre tous les remplaçants, les mettre pour laisser les bons joueurs se reposer, attendre les prochains matchs? Ou alors, comment tu vois que ça va se dérouler? Bon, il est toujours question ici de laisser les Lions dans leur confiance habituelle. Donc, le match prochain sera peut-être même... employer les termes camerounais dévastatrices, dans la mesure où nous pensons au lieu de 4 buts seulement, nous inscrirons certainement 6, parce que nous partons avec des nombres croissants, nous sommes partis de 2 buts à 4 et de 4 nous irons certainement à 6. Donc vous comprendrez que les Lions sont désormais une équipe sur laquelle il faut largement compter et ils sont d'ailleurs pronostiqué gagnant de cette CAN et nous sommes confiants, nous allons certainement atteindre cet objectif. Nous pouvons compter sur nos valeureux Lyon et qui sont très en forme. Nous n'avons jusqu'ici retenu aucun bémol, aucun manquement. Nous avons une équipe bien soudée, avec des joueurs bien qualifiés, bien déterminés à atteindre des objectifs qui seraient de prendre la sixième coupe. Pour la sixième fois la coupe d'Afrique des Nations. Alors, Arnaud, votre organisation organise donc ce très grand événement qui aura lieu ce samedi 15 décembre dans Africa Cabana Lounge Center. C'est au 13501 Baltimore Avenue Laurel, Maryland. Les billets sont déjà disponibles au prix de 25$ pour tout le monde. Pour avoir, et vous aurez la nourriture gratuite. Vous aurez des activités gratuites et vous aurez même la possibilité de partager votre vision sur ça. C'est vraiment unique de son genre dans ce très grand événement qui aura lieu à Africa Cabana Center, Africa Cabana Lounge Center. Donc c'est dans le Baltimore, c'est dans le Maryland à Laurel. Alors donc un événement qui s'annonce riche en couleurs et c'est ma première fois de voir un événement avec 25$. Alors, pourquoi vous faites ça et qu'est-ce que vous gagnez? Je crois que vous allez
perdant dans tout ça parce qu'il faut la location de la salle et beaucoup d'autres dépenses. Comment vous faites pour couvrir vos dépenses? Non, mais comme je vous l'ai dit, déjà, je dois féliciter tous les membres de notre association parce que c'est un sacrifice que les membres consentissent. Parce que si vous lisez le flyer, c'est écrit là-dessus, « Come and celebrate another way of thinking ». C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous de créer un précédent dans notre communauté, de sortir du chemin où on se retrouve, on mange, on boit, on parle de tout et de rien, et puis chacun se retourne pas. Donc nous voulons nous retrouver pour parler de ce que notre communauté a comme potentiel, de ce qui a été fait, de ce qui peut être fait, et donc amener les gens ensemble pour projeter un avenir meilleur, pour, non seulement pour les membres de l'association, mais pour toute notre communauté, parce que nous n'avons pas une approche sectaire. C'est vraiment une association ouverte, quoi. Et l'espoir, c'est qu'en sortant de là, qu'un grand nombre de personnes ont adhéré à l'idée. Et pourquoi ne même pas multiplier cette expérience avec notre aide? Waouh! Oui, oui, Christian, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, certainement. Donc, nous avons indiqué que nous faisons la promotion des business, des entreprises. Donc, nous participons à la réussite financière de nos différents membres. Et si vous avez vu que les billets ne coûtent pas grand-chose, c'est justement ce sacrifice-là consenti par l'ensemble des membres. Et beaucoup plus pour dire que chacun des membres ayant réussi au moins à atteindre l'objectif fixé en 2021, voudra bien venir célébrer ensemble avec les membres de sa communauté et pourquoi pas les amis, les frères et sœurs qui viendront participer à ce gala, venir célébrer et apporter ce petit salaka comme on a l'habitude d'indiquer au pays. Donc, cette amende que PIS entend organiser lui permettra donc de partager avec les autres ce que nous avons comme expérience, ce que nous avons comme objectif et pouvoir leur dire qu'il y a beaucoup de possibilités et bien entendu que nous partons sur un principe de confiance mutuelle et autant nous voudrions vous faire confiance en vous promotant dans vos objectifs, dans vos business ou dans l'achat de vos maisons qui est un rêve, qui est la source même du rêve américain. Nous voudrions en même temps que vous participiez à l'émergence économique d'autres membres qui ont consenti ce sacrifice-là en votre profit. Donc voilà un peu les éléments qui cadrent, n'est-ce pas, notre gala et qui indiquent dans les éléments de sacrifice consenti par l'ensemble des membres de la communauté PES, People for Economy and Solidarity. People for Economy and Solidarity. Ça, c'est terrible. Donc, une très, très grande association qui fait des très, très bonnes choses et c'est pour une première. Je crois qu'il faut que je demande le nom du président de cette association. On va revenir tout à l'heure. On va tout d'abord prendre parce que nous sommes déjà à la fin. Et vous savez, Afrique Today, c'est une plateforme, c'est un business et nous avons des publicités. Nous allons prendre une petite publicitaire de quelques secondes. Restez connectés. On revient juste le temps pour nous de clôturer cette émission. Merci et à bientôt. L'entrepreneuriat digital vous intéresse-t-il? Vous voulez apprendre à construire des projets digitaux? Aimeriez-vous gagner des revenus passifs conséquents en tout lieu? Voici la plateforme des professionnels du digital, la Diaspo Academy. Ici, vous retrouverez les meilleurs professionnels de la diasporama mondiale connectés sur notre plateforme. Vous allez pouvoir acquérir des formations adéquates qui feront de vous des entrepreneurs digitaux compétents. Étudiants, entrepreneurs, coachs, instructeurs et entreprises, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Elle vous offre la possibilité de suivre votre formation en mode virtuel à partir de chez vous, où que vous soyez sur la planète. Toutes nos formations disponibles en ligne sont dispensées de manière interactive. Il suffit de vous inscrire et vous pourrez les suivre depuis chez vous. Au cours de la formation, vous passerez des quiz et examens selon votre parcours. En outre, à partir de votre tableau de bord, vous suivrez vos performances et progressions.
Vous pourrez aussi communiquer avec vos instructeurs et recevoir des notifications. À la fin de votre parcours de formation, vous recevrez un certificat Diaspo Academy Certified. Que vous soyez débutant ou responsable d'entreprise, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Saisissez-la. Enfin, que vous soyez coach ou instructeur, ayez accès à un millier d'étudiants à travers notre plateforme. Merci de choisir Diaspo Academy, le meilleur choix. Pour plus d'informations, allez sur www.diaspoacademy.com. Diaspo Academy, la plateforme des professionnels du digital. Nous sommes toujours ici en direct sur Afrique Today. Laissez vos commentaires si vous voulez participer à nos émissions. Allez tout simplement sur www.africetoday.com. Il y a tous les numéros là-bas. Appelez-nous. Venez parler des Lions Indomptables. Venez nous dire ce que la diaspora des États-Unis pense de la prestation des Lions Indomptables. Nous sommes là pour cela. Faites comme cette association qui est venue nous parler des Lions Indomptables. Et pour cela, cette association qui est venue nous parler des Lions Indomptables. J'ai actuellement en direct depuis le Maryland. J'ai Arnaud qui est actuellement entre nous avec moi en direct du Maryland. J'ai aussi Christian qui est avec moi en direct. Et nous avons longuement parlé des Lions Indomptables. Mais nous avons aussi parlé de cette très 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 grande organisation qui est prête à investir pour les entreprises africaines de 50 000 dollars. Waouh! Ils organisent un événement ce samedi 15 décembre 2022 à Africa Cabana, un événement qui, le prix d'entrée pour tout le monde est à 25 dollars. Donc, ça c'est donné, c'est presque gratuit et vous serez nourri et il y aura de la boisson. Alors, mon dernier mot, je vais vous donner à chacun le dernier mot. Alors, les gars, je vais commencer par Christian. Christian, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous regardent d'abord, premièrement, pour votre événement de ce samedi qui aura lieu, deuxièmement, pour la future prestation des Lions Indomptables qui se poursuit, quoi? Oui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes confiants, nous gardons notre calme, nous sommes sereins. Déjà, nous sommes qualifiés pour le second tour et pour nous, maintenant, il est question de nous préparer à affronter notre prochain adversaire pour le prochain tour. Nous n'avons aucune crainte, nous sommes déjà content d'être l'organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et maintenant, il est question de la conserver, de la garder à la maison. Ce sera certainement notre sixième trophée. Et nous allons le célébrer en temps opportun. Nous serons à ce moment, à la date du 6 février. Bon, maintenant, s'il faut revenir à l'association, je veux... n'est-ce pas, profiter pour indiquer à la communauté africaine en général et n'est-ce pas, à la communauté et tout le monde en général que nous avons mis sur pied cette plateforme qui promeut et qui veille, n'est-ce pas, au bien-être des membres. Donc, s'il y en a qui ont des objectifs et qui ont du mal à atteindre ces objectifs, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de ressources matérielles ou formationnelles, nous sommes ouverts à donner gratuitement, n'est-ce pas, ces différents éléments à tous ceux qui sont dans ces différents projets. Et nous voulons aussi indiquer que les seules et uniques conditions, c'est d'avoir rencontré l'un des membres, celui que vous connaîtrez, qui vous amènera, lui, à son tour dans cette plateforme. Donc, c'est un système particulier de cooptation parce que nous voulons d'abord que la personne qui vous amène soit celle-là même qui vous fait confiance. Et en retour, nous vous donnerons aussi cette confiance. Et en retour, nous attendons que vous nous fassiez confiance dans le cadre de l'organisation et d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés, à savoir aider nos membres à avoir une santé financière fiable. Arnaud? Oui, ben, je dois dire que l'objectif de PIS, c'est d'être les lions indomptables des associations camerounaises de l'étranger. Je pense que nous sommes en très bonne voie. Et l'événement de samedi, je ne veux pas dire que c'est la consécration, mais c'est le commencement de l'ouverture vers une communauté un peu plus vaste pour que
les gens adhèrent à l'idée pour qu'ils viennent travailler avec nous, pour que, à la fin, c'est la communauté qui grandit. À la fin, c'est la communauté qui grandit. Merci à tous les deux. Nous avons fait presque une heure de temps, comme je vous ai promis. Donc, notre heure est presque arrivée. Il nous reste quelque chose comme 2 minutes ici. Il est 21h moins 2 ici, l'heure de Washington DC, sur ma montre. Donc, moins 1 déjà. Donc, nous sommes donc ici en direct et on parlait donc de cette association PIS. Une association qui grandit, donc vous pouvez donc voir actuellement sur mon petit écran le site de cette association, c'est piscommunity.org. Allez-y, prenez toutes les informations dont vous avez besoin. Arnaud, j'allais oublier, qui est le président de cette association? Bon, le président de PIS, c'est Sinclair Akafogé, qui n'a pas eu être là ce soir. Moi, je suis responsable financier. Et Christian est le secrétaire général. Donc on a eu les grandes figures de cette association ce soir. Et ça sera un plaisir pour nous de vous avoir encore après votre événement. Parce qu'on veut comprendre, comment votre événement s'est passé. Et qu'est-ce que la communauté peut attendre avec vous. Je crois que notre communauté a besoin de savoir plus sur ce que vous faites. Et vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté, Christian et Arnaud. Oui, Arnaud, tu voulais ajouter? Oui, Alain Pierre, je voulais dire que vraiment, merci de nous donner cette occasion. Vraiment, c'est une excellente plateforme et on en est très reconnaissant. Et je pense que dès cet instant, on devrait vraiment penser à créer un partenariat durable parce que faire des actions, c'est une chose. Mais il faut un bon canal de communication et Africa Today va très certainement jouer un rôle là-dedans. Quoi. Donc vraiment, compte sur toi et ne nous lâche pas. Nous travaillons déjà ensemble étant donné que votre association est là pour pousser les gens. Nous allons aussi vous aider à vous pousser. On va se pousser tous. On va s'aider, on va travailler ensemble. Vous pouvez déjà vous rassurer que nous travaillons déjà ensemble. Et c'est pour cela que je propose une émission après votre événement pour encore venir parler de ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus parlé des Lions. Et peut-être la prochaine fois, nous allons parler aussi du prochain match des Loueurs. Et nous allons parler en plus profondeur. Et on aura peut-être la chance cette fois-ci d'avoir votre président dans notre émission. Encore une fois, merci vraiment pour votre présence ici. Merci aussi. Ce sera un plaisir de revenir sur cette plateforme qui nous est ouverte pour nous exprimer sur nos différentes activités, nos différents objectifs. Nous aurons l'occasion d'en discuter et d'en parler plus amplement. Et certainement, ce sera avec la présence du président et peut-être même avec beaucoup d'autres membres qui voudront faire des témoignages sur les bienfaits de PIS et sur les objectifs qu'ils ont pu atteindre grâce à PIS. Et bon, nous aurons l'occasion certainement d'avoir tous ces éléments. Et nous comptons sur vous pour nous permettre de nous ouvrir à tout le monde dans ce cadre. Nous vous attendons certainement après le prochain match du Cameroun pour parler encore du match et pour parler de votre association. Cette fois-là, nous allons faire une émission de 2 heures de temps pour parler de tout ce que votre association fait parce que ça mérite 2 heures de temps. Alors, merci à ceux qui se sont connectés durant ces 1 heure de temps sur Afrique Today. Donc, c'est donc Afrique Today, cette chaîne de télévision digitale donc basée aux États-Unis. Vous pouvez bien sûr nous regarder en direct en même temps sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africetoday.com. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez tout simplement télécharger les applications d'Afrique Today. Afrique Today est disponible aujourd'hui sur Android et sur Apple. Alors téléchargez nos applications. Nous sommes aussi disponibles sur Roku TV et Amazon Fire Stick. Je m'appelle Alain Pierre et merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve certainement très très bientôt. Bonne nuit à tout le monde et à bientôt. Bye. Merci, à bientôt.